Assalamu alaikum, bonsoir encore Hamid. C'est le troisième direct d'aujourd'hui. On continue notre défilé. On est arrivé, donc ici c'est, vous voyez le parking. C'est ça le grand marché de Tyson's Corner. C'est quand même un endroit où il y a les plus gros magasins, les grandes marques. Et le but ici, c'était de venir et déranger l'activité économique d'aujourd'hui, parce que c'est une activité économique très spéciale. C'est le jour où on fait beaucoup d'achats. C'est le Black Friday. Et le but, c'était de venir et de bloquer, pas bloquer, on peut pas, mais déranger l'accès au mall pour sensibiliser la population locale quant à la cause palestinienne. Donc voilà, ça continue. Ça continue. Police, il dit à droite, l'autre il dit à gauche. Je ne sais pas. Mais de toute façon, on va dire Narja. Voilà. Voilà, vous voyez maintenant, c'est là le cœur de l'activité. Voilà, donc c'est l'entrée du mall. Et on est là pour créer un petit peu le désordre. C'est pour déranger l'activité économique parce que aujourd'hui c'est je vais ouvrir les fenêtres comme ça vous allez entendre un petit peu le bruit. Je klaxonne à fond. Je ne sais pas si vous réalisez, ça c'est le plus gros centre commercial. Et nous sommes ici pour bloquer l'accès. Pas pour bloquer certainement, mais pour déranger. Pour s'assurer que tout aille smoothly comme on dit. Free, free Palestine! Alors pour ceux qui ont fait des commentaires, ils ont dit que ça c'est une manifestation de riches, on reste dans les voitures. Ça ce n'est pas vrai parce que il faut comprendre que la lutte non violente pour la justice sociale, elle a plusieurs formes, plusieurs formes. Ce n'est pas que de marcher, ce n'est pas que de faire des manifestations. Faire des cortèges comme ça, c'est aussi une manière de faire ça. Signer et distribuer des pétitions, c'est une manière de manifester. Écrire aux élus locaux, c'est une manière de manifester. Publier des articles, c'est une autre manière de manifester.
marcher comme l'a fait le Hirak, c'est une manière de manifester. Choisir les bons moments pour marcher, pour sortir, c'est une bonne manière de faire des manifestations. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas accuser certains, leur dire, par contre, si vous restez dans votre fauteuil et que vous faites votre Facebook et vous dites que vous êtes militant, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le militantisme. Mais si vous faites le travail de terrain, peu importe la forme du travail de terrain, que vous soyez dans votre véhicule, par exemple, ici, pour rouler aux États-Unis, c'est loin, c'est des distances importantes, donc les voitures sont nécessaires, et d'autant plus que le but, c'est justement de faire en sorte... Voilà, le policier qui me demande d'avancer... de couper le klaxon. Mais roulez doucement. Et le policier qui a... Voilà. Je tourne, je sais pas où on va, mais on va. Ah, c'est important. Je reviens vers le centre commercial. Le but, c'est de circuler avec le drapeau. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai le drapeau, il est là. Il est accroché sur le côté de la voiture. Donc, qui montre que je fais partie du cortège. Continue à circuler. Donc, comme vous voyez ici, on est un peu dispersé, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir des drapeaux, les voitures un petit peu partout.
Oui, la communauté. Ben, on continue la pression. Il y a d'autres activités. On a fait pas mal de sitting. On a, au niveau du Congrès, on a été voir les élus du Congrès pour leur demander de soutenir la motion de cessez-le-feu qui a été présentée par certains élus. On continue à faire beaucoup de ces activités. C'est pas qu'une seule activité, c'est plusieurs et c'est l'endurance. Donc on le fait, on fait autant qu'on peut. Il faut pas oublier que même Tliba, la députée américaine d'origine palestinienne, a été sanctionnée par le Congrès américain parce qu'elle avait osé dire certaines choses. Voilà un ciel, beautiful sky, comme on dit. Chez nous, il est 4h15 de l'après-midi. Donc, c'est 16h15 en ce moment. Ilyes, Menabil, Youssef. On ne nous a pas dévié de notre trajectoire, mais le but c'était d'arriver à côté du centre commercial où il y avait ce groupe de manifestants qui étaient debout et leur klaxonnaient, mais après on ne pouvait pas rester bloqué la circulation. Donc j'ai été parti, je suis parti loin, un petit peu plus loin, et là j'ai fait un demi-tour et je reviens vers là où il y a la foule. Merci. Je vais certainement m'arrêter à une station d'essence qui est en face du marché et me poser avec le drapeau. Nabil Aissani. Le lobby musulman, oui, il existe déjà. Il existe. Je fais partie d'un groupe, de plusieurs groupes. Et on a des parlementaires d'origine musulmane, ou bien des convertis à l'islam.
David Jacob, bienvenue. Nabil Harouni, bienvenue. Redouane Berwali, Kribou Mahjoub, vous êtes plusieurs à suivre. Merci. Faites de notre mieux pour partager. Donc il y a beaucoup de bruit à l'entrée. Vous voyez, le but c'est pas nous seulement les voitures, mais le public. Le public qui peut pas le chasser. Nous on peut pas bloquer la circulation quand même. Mais le public, il a le droit de manifester sur le trottoir comme vous l'avez vu. Ils ne bloquent pas l'accès au magasin, mais ils font beaucoup de boucans. Je sais pas si vous voyez, je vais ouvrir là, peut-être de ce côté-là. Voilà. Il y a cette voiture qui me bloque. Ah, il y a le drapeau qui me... On bloque la vue. Ah, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont énervés. Mais bon. C'est notre droit de manifester. Tout le monde a le droit de manifester. En fait, je vais tourner ici. Pour pas aller trop loin. Quelqu'un qui a...
Voilà, ça c'est mon drapeau. Je vais filmer vite fait. Il y a un monsieur qui a bloqué la circulation, il s'est mis par terre, les mains en l'air, pour dire moi je vais nulle part, je manifeste. Voilà, c'est une manière, une forme de manifester. Et il ne le touche pas, ils vont lui demander gentiment de bouger sa voiture. Je m'étais arrêté à une station d'essence. T'es gentil pour. Voilà, je reprends la route. Je vais me garer de ce côté. Voilà. Voilà. Bloquer la circulation. Le monsieur qui avait bloqué la circulation, ils l'ont laissé partir, voilà. Alors les gens chantent pendant que vous faites le marché. Faites vos achats, les gens meurent. Ou bien ils disent Free Free Palestine. Libérez la Palestine. Voilà. C'est une journée chargée. Je continue. Et je dois rendre le drapeau au monsieur. Donc je vais l'enlever de la voiture pour le rendre au monsieur. Voilà, c'est ça le drapeau que j'avais sur ma voiture. Hey, how you doing, man? How's it going? Hey, good, how are you? Wish you some good grief today. Thank you. You're very welcome, man. Ah, that's nice. Happy holidays. If you too. This is so incredible. I've read it and it is right on. Okay. It's true to the Quranic verses. I am live on Facebook. I have many, many followers. So do you have something to say about what you just gave me? Quickly, I will explain them in French because people. All I can say is it gives the Quranic verses
that validate the ministry of Jesus Christ and everything that he did. Okay. What God sent him to do. Yes. Yeah, we believe in Jesus. I have no problem. For our sins on the cross, he died and rose again as recorded in the scriptures. All who call on the name of the Lord will be saved. Okay. Forgiven of sin and granted the free gift of eternal life. What do you think about this Zionism troubles in the... I'm only here to speak to you about Jesus and okay. the Lord, because we can all agree, peace on earth from Jesus and goodwill toward men will come from those who trust in him. Thank you. That's the good news. Thank you. Thank you. Thank you. Bless you too. I will read it. Thank you. Donc, voilà. Je vais enlever le drapeau que j'avais. Donc, je vais juste vous montrer c'était quoi le message dans le drapeau. Le message, c'est stand with Palestine, ne pas supporter le sionisme. Donc, je vais enlever cette, je vais enlever ce drapeau. Voilà. C'est mon drapeau. Enfin, je l'ai emprunté à quelqu'un. Et je vous retrouve. Je ne sais pas si je pourrais faire mon live ce soir parce qu'il est tard. Mais dans ce cas-là, pour ceux qui attendaient mon live de ce soir, je le ferai demain, Inch'Allah, vers les coups de 9h le soir, heure d'Alger, c'est-à-dire 10h le soir, heure de Paris. Merci de m'avoir suivi. Je fais le maximum pour partager l'information que nous avons ici par rapport à Gaza. Et bientôt, je reviendrai aussi sur les sujets qui concernent le Hirak. Le grand bonjour à vous. Soyez le changement. Be the change. Take care. Le combat continue en toute non-violence pacifique. Et vive la liberté. Bye bye.